point suivant concerne la signature d'un contrat de prêt de 333 000 euros auprès de la Caisse d'Épargne. Pourquoi un contrat de prêt alors que, comme vous le savez, on a déjà encaissé un prêt en début d'année? Ben, c'est parce que cet achat additionnel, et nous l'avions précisé au moment du budget, cet achat additionnel de la Poste nécessite un financement complémentaire. On avait même évoqué la possibilité de le financer intégralement par l'emprunt, dans la mesure où il s'agit d'un bâtiment et de valeur foncière, même si on ne paye pas le foncier, le financement par l'emprunt est tout à fait légitime. Par contre, bien ma foi, de manière à ne pas trop accroître le taux d'endettement qui reste tout à fait minime et favorable et du bon côté du trait, et puis nous obliger à une rigueur financière, nous n'avons pas voulu emprunter la totalité de la somme, et après quelques calculs extrêmement attentifs visant à pouvoir financer l'intégralité du fonctionnement et des investissements de l'année, et compte tenu de l'emprunt déjà acquis, nous avons réduit à 333 000 euros la requête d'un nouvel emprunt. Nous avons consulté deux établissements bancaires, ceux que nous fréquentons habituellement pour cet emprunt. Ces deux établissements nous ont fait des propositions intéressantes. Nous étions fondés sur une recherche de durée entre 10 et 20 ans, à la recherche en fait du taux le plus favorable, puisque la somme, le capital n'est pas très importante. On a demandé au Crédit Agricole et on a demandé à la Caisse d'Épargne, avec une déversement trimestriel constant. Et finalement, c'est la proposition de la Caisse d'Épargne qui s'est avérée la plus favorable, puisqu'elle est sur la base d'un taux de 0,99% fixe sur 10 années. Voilà. Je n'ai par contre pas le montant des mensualités. Je ne sais pas si vous avez le document. 2800. Hein ? 2800. C'est le trimestriel. C'est le trimestriel. Alors, puisque vous les connaissez, je vais quand même les dire au bénéfice de tout le monde. Alors, capital, investissement, amortissement, intérêt, échéances. Voilà. Les échéances, ce sont trimestriellement de 9 108 euros en arrondi sur la totalité de la période. Des questions ? Question qui est une demande d'explication, c'est pourquoi il y a en fait un différé de paiement entre le point de départ de l'amortissement qui est le 30 juillet et la date de la première échéance qui est le 30-12-2018. Bonne question. Oui, est-ce qu'on aura un autre tableau d'amortissement? Vous n'êtes pas de date de versement des fonds arrêtée. D'accord. Et donc il y aura forcément un autre tableau d'amortissement, mais qui représentera la même dépense globale, puisque ça, okay, simplement des calculs. Okay. Là, quand on indique la base de calcul 30-360, ça veut dire qu'on calcule en fait sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360. Oui, préservé. Et il y a vraiment un intérêt à mettre cette information. Je ne suis pas assez financier. Pour franchement. Oui, on préfère avoir d'autres informations que celle-là. Voilà. Ça fait partie des données de la banque. En toute transparence, nous les retransmettons. On va préférer avoir la densité au niveau de l'OAP. Bon. Ça viendra, ça viendra. C'est pas le sujet. Ça viendra. Ça viendra, mais tu vois, ça sera moins grave que si on avait laissé la Poste vendre. Je suis d'accord. Bien. Qui s'oppose à ce que nous... Oui, simplement, monsieur le maire, un prêt, c'est toujours, ça paraît toujours avantageux de dire on a emprunté, mais c'est toujours quand même bien de dire les frais financiers, notamment le coût de la garantie également. Je suppose que c'est, vous ne l'avez pas indiqué. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie financière dessus ? Il n'y a pas un coût de garantie pour nous ? Il y a des frais de dossier, je ne sais plus combien, 500 euros. Et après, ce qui est quand même bien, c'est de rappeler les frais financiers, parce qu'en faisant un calcul... Ah ben, les frais financiers, oui, on doit trouver le total capital incendie, intérêt, il nous coûte 17 445 euros. Exactement. C'est toujours bien de le, tout à fait, de le rappeler, même si le coût est... Absolument. Absolument.
D'ailleurs, il n'y a toujours pas de plan de finance ou de vice-président de la commission finance. Vous me disiez justement à l'aspect financier, mais ça vient peut-être de là, que les infos financières ne soient pas disponibles. Vous n'êtes toujours pas nommé d'adjoint. Non, j'essaie modestement d'en faire office. Non, pas modestement, de vous entourer et d'avoir avec vous président d'une commission parmi finance. Parmi notre personnel public, parmi nos fonctionnaires, nous avons des compétences. Certes, mais après c'est les élus également. C'est de savoir s'entourer d'élus qui contrôlent et qui nous donnent la formation importante. Peut-être vous. Ça n'est pas prévu. Je crois que c'est annoncé dès le départ. Oui. Comment ? Dès le départ, je crois, dans un conseil, il avait été annoncé qu'il n'y aurait pas de. Oui, mais il y avait un élu. Nous avons perdu malheureusement notre brillante adjointe aux finances, mais c'est pas parce qu'elle est. C'est dommage qu'il nous ait quitté, mais de remplacer parce que c'est un poste important. Il s'agit des finances de la commune. Sans aucun doute. Contribue, c'est important. Sans aucun doute, mais je pense qu'on doit pouvoir survivre quand même aux élections futures dans cette configuration. Enfin, c'est ce qu'on a choisi. Et comme on n'est pas sous le coup d'une menace financière conséquente d'une banqueroute de la commune. C'est pas une obligation non plus. Hein. Non, c'est une obligation. Enfin, je comprends ce que. Non, mais c'est une constatation. C'est ce que les gens disent. Il y avait bien une adjointe aux finances, maintenant il y en a plus. Alors, dans le coup, j'ai pas. Si, non, je vous ai pas demandé de vous exprimer sur ce point-là. Qui s'oppose à la souscription de cet emprunt? Qui s'abstient? Donc, même résultat qu'à la question précédente. Donc je présage que la question suivante fera l'objet à peu près du même résultat, puisque cette question-là consiste à demander un dossier de demande de subvention au titre de la DETR, puisque la DETR que nous pensions moribonde ne l'est pas finalement, semble ne pas l'être. Nous allons demander une subvention DETR précisément pour favoriser le réaménagement, partiellement, le réaménagement intérieur de cet ancien poste, au moins dans sa phase initiale qui consiste à dégager ce qui ne sert à rien à l'intérieur et à mettre à la place une agence postale et un guichet unique et numérique le cas échéant. Ceci représente des estimations de travaux, puisque nous n'en sommes pas encore à passer les commandes, des estimations de travaux de 84 600 euros hors taxes, c'est-à-dire 101 500 TTC, et la demande de financement évidemment correspond aux règles de mise en œuvre de la DETR, c'est 50% du montant hors taxes, soit 42 300 euros. Avez-vous des questions? Oui. Oui, monsieur le maire. En fait, si on comprend bien, les 84 600 euros hors taxe, c'est uniquement pour l'aménagement des 105 mètres carrés. C'est celui qu'on devrait faire dans un premier tour, tout à fait. Donc, c'est vraiment la petite tranche, en fait. Absolument. Puisqu'il y a les 300 mètres carrés qui devront également être aménagés. Et donc, on peut penser qu'on aura. Là aussi, des sommes. On peut d'ores et déjà dire qu'on aura des engagements de dépenses importants, pour en cacher le mot, pour aménager ce bâtiment, ne serait-ce qu'il s'agit d'un ERP, que dans un ERP, on doit travailler l'accessibilité, rien que ce facteur-là, puisqu'aujourd'hui l'étage n'est pas accessible, sauf à décider de faire de l'étage un logement de fonction ou quelque chose comme ça, mais dans la configuration imaginée d'un équipement public, il y aura des travaux d'aménagement plus conséquents que les 82 000 euros. Voilà. Plus le ravalement éventuellement, parce que bon, le bâtiment a une ligne piteuse de l'extérieur. Oui, donc ça ne va pas être le premier opération. Mais ce qui veut dire qu'en fait, on est sur un coût dont aujourd'hui peu connaissent le montant exact. Et on va s'engager. Écoute, là-dessus, mais je crois que. On peut se parler ouvertement, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de honte à figer. La rénovation, une rénovation, c'est entre 1 et 1500 euros du mètre carré. Voilà. Pour tenir ça, c'est tout. Ça tend plutôt à 1500,
Ça dépend. Quel sens il y a un ascenseur. Ce qui se rajoute aux 540 euros. Donc ça fait quand même un beau budget. Et pour ce beau budget, ce serait intéressant de connaître quel est quels sont les beaux projets qui vont améliorer le quotidien de vie des Centenois. C'est bien parce pour que ça. Il faut quand même comparer dépenses et avantages pour les Centenois. C'est bien pour ça qu'avant d'établir un budget, il faut débattre et surtout arrêter le projet d'utilisation et le projet d'utilisation de l'ensemble des bâtiments. On va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'on va parler d'un autre bâtiment après. D'autres questions ? Oui. Concernant les parkings autour de la poste, là, ils vont être modifiés ou ils restent à l'identique ? Alors, je ne vous dirai pas précisément, mais en fonction de ce qu'on mettra dedans, ils peuvent être modifiés en tout état de cause. Il y a deux types de parkings à la poste actuellement. Tous appartiennent à la poste, comme ça va, y compris les parkings extérieurs qui sont sur le terrain, qui sera l'autre des terrains. Donc, les questions qui se poseront, c'est-à-dire, neutralise-t-on les parkings rue pour faire simplement du parking côté intérieur destiné à l'ensemble des usagers des services qui seront implantés à cet endroit-là, c'est une solution. Ou garde-t-on une double formule avec des parkings, je ne parle pas des parkings qui sont à l'angle de la rue de la Fontaine. Ceux-là, ils sont. Ils ne bougent pas, ils ne sont pas liés à la poste. Je parle de ceux qui sont entre le local téléphonique et la poste elle-même, et puis il y a ceux qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est une réflexion qui aura lieu, parce qu'on peut aussi imaginer faire davantage de parking, c'est-à-dire gratter un petit peu plus sur le terrain pour augmenter le stationnement. Il y a des tas de possibilités, tout ça sera examiné dans le cadre de l'aménagement et de l'utilisation du bâtiment. Et vraisemblablement, enfin, ce n'est que mon avis, ça n'a pas été débattu, les parkings extérieurs sont utilisés assez régulièrement par les habitants, puisqu'on manque de parking dans toutes ces zones-là, si cela s'avère possible, l'intérieur sera réservé au parking d'utilisateur et l'extérieur restera accessible à la circulation. Mais bon, cela dit, c'est qu'un point de vue du moment. Il dépend aussi ce que deviendront par la suite nos propriétés foncières de la ferronnerie et le projet Avantons la métropole. Si la police municipale s'installe là également, comment ça va se passer avec Parole si c'est une police municipale pour les deux villages ? Alors, quelle va être leur participation ? Là on anticipe et on est sur un autre sujet dont je vous dirai quasiment rien parce que je parlais ce matin encore avec Mme Jorin parce que faut que ça traîne un petit peu le travail entre nous. Et comment ça va se passer ? Nous avons un bâtiment qui est la poste précisément. Marolles n'a pas de bâtiment conséquent qui permettrait d'héberger une police, donc notre proposition est de l'implanter à la poste. Si on le fait avec Marolles, si on le fait tout seul, c'est l'évidence. Mais si on le fait avec Marolles, c'est une proposition de l'implanter ici, quitte à ce qu'il y ait un ou deux points de stationnement pour le véhicule de police à Marolles. Mais la fonction de police serait dans ce bâtiment-là. Mais pour le moment, c'est une décision qui n'est pas arrêtée. Les travaux continuent. Juste s'il vous plaît, sur le feuilleton de la DETR, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Il n'y avait plus de... Pas trop, parce qu'on nous avait annoncé que cette dotation disparaîtrait. Dotation d'équipement des territoires ruraux, ouais. Disparaîtrait. Et comme disparaissent assez largement nos dotations d'équipement et d'investissement, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il a été décidé de la maintenir. Mais je n'en connais pas. D'autres questions ? Alors, je pose la question. M'autorisez-vous à signer cette demande de subvention ? Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Bien. Alors le point financier suivant est beaucoup plus lourd financièrement. En répondant à Eric, je disais que les mécanismes de dotation ayant souffert
et le gouvernement ayant de temps en temps revu un petit peu sa copie, nous avons appris, j'allais dire avec un préavis extrêmement réduit, de la part de la préfecture, que le dit gouvernement avait prévu une dotation de soutien à l'investissement local d'un montant substantiel, et notre préfecture s'est retournée vers nous en disant « Vous n'avez pas quelque chose à financer ?» Ça tombait remarquablement bien, puisque nous étions en train de tenter de boucler le financement de la salle associative des Quatre Saules, donc, et que nous avions un dossier prêt, puisque nous avions élaboré le dossier destiné à la région. Nous nous sommes donc tournés vers la préfecture en lui disant ben, si ça nous intéresserait de trouver un complément de financement à notre salle associative. Et pour ce faire, nous avons établi un dossier visant à la demande d'une somme de 593 000 euros sur les 1 412 000 totaux, on est hors taxe dans tout ça, de réalisation de la salle, ce qui viendrait s'ajouter à la subvention demandée d'un autre côté au Conseil régional d'Île-de-France et qui est en instruction. Ce qui devrait nous permettre, si les deux projets sont acceptés, de n'avoir strictement aucune difficulté, même s'il nous faudra rajouter quelque chose, de n'avoir strictement aucune difficulté de financement de cet ensemble. Vous savez que la région, elle, c'est 50% de... non, c'est 50% du hors-taxe. 50% du total hors-taxe des deux projets soumis à la région, c'est-à-dire de la rénovation de la toiture de l'église et de la salle associative. Oui, alors, monsieur, et au maximum, et avec un maximum de 2 millions d'euros. Et alors, au conseil municipal du 5 mars, vous aviez déclaré... Le Conseil régional a finalisé les conditions du contrat d'aménagement régional, oui. Et la part d'autofinancement de la commune doit être supérieure à 30% pour chaque opération. Oui. Et vous avez fait voter à votre majorité une augmentation de l'autofinancement de la commune de 325 000 euros, passant à 427 000 euros. Donc comment le Conseil régional pourra-t-il accepter un financement alors que dans le même temps vous demandez un financement au titre du DSIL et que bien évidemment ce financement conjoint avec la demande de du conseil régional fait qu'il n'y aura pas 30% de financement, enfin il n'y aura pas 30% d'autofinancement de la part de la commune. Bah, il faudra y parvenir puisque 30% ça fait en gros 450 000 euros, oui. 450 000 euros, si on a les 430 000. C'est sur l'église. On va jouer avec l'église. Là, c'est pas ce que je comprends. Là. Non, mais la DSIL, c'est que sur la salle de sport. 1 412 000. Et c'est sur chaque opération, les plus de 30%. Oui. Donc il y a bien deux opérations, l'église et la salle multi-activité. Tout à fait. Donc il faut bien que la commune, d'une façon ou d'une autre, finance, en fait, la somme de 427 000 euros. Oui, tout à fait. D'accord. Et 427 000 étant les 30% de... Absolument, oui. Donc, je ne comprends pas que vous demandiez d'un côté 46% 97, c'est-à-dire 663 000 euros. J'ai plus les chiffres du contrat régional, parce que plus la subvention du contrat régional. Parce que ça vous fait, en fait... Ça vous fait plus de 80% de financement obtenu par subvention. Oui, mais on a demandé 663 000 euros sur la salle de sport au niveau du contrat régional. Mais on a aussi demandé une somme pour l'église. Ces 663 000 euros, on peut les amputer par exemple. Je dis par exemple parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux. 260 000 euros qu'on déclare non affectés à la salle et affectés à l'église. Ce qui diminue la part contrat régional sur
Ah, c'est vraiment pas clair. Si, c'est la globalité du contrat régional, et là, le DSIL, ouais, c'est que pour la salle de sport. Hein. Non, mais je comprends la question, et effectivement, alors celle-là, elle aurait été posée par écrit, je vous y aurais donné une réponse plus précise et plus satisfaisante que je ne vais pas vous donner, pour ne pas dire de grosses bêtises. Je vous la donnerai après. Ouais. Et sur en fait, c'est le montage des deux opérations qu'on a vu. Et le CNDS et le Conseil départemental qui ont été saisis n'ont apporté aucune réponse à notre requête. Alors il faut comprendre quoi que c'est. Qu'il n'y en aura pas. Qu'il n'y en aura pas, d'accord. Mais autant le dire. Oui, oui. Plutôt que de le suggérer. Ok, merci. Et ils auraient pu nous le dire aussi plutôt que de nous laisser. On n'a pas les réponses ou quoi? Hein? Bah non, mais quand même. Non, on ne peut pas dire aujourd'hui. Oui, un miracle est toujours. Non, mais on ne peut pas répondre directement puisqu'on les a pas encore eus. Bien sûr. Bon. Beaucoup plus clair. Bien. On les a pas eus. Bien. Est-ce que, donc, dans ces conditions, vous nous autorisez à solliciter la DSIL, qui est calculée sur la base de la salle associée? Qui s'y oppose? Personne. Qui s'abstient? Bien. Et. Non, sans réserve, on essaiera de mettre au compte rendu un petit tableau de financement global des deux investissements qui font l'objet du contrat régional. En stipulant que ça n'a pas été donné au conseil municipal. Oui, c'est sous forme d'annexe. Voilà.